Alors, mon bon camarade de la semaine, c'est Oscar Muñoz. Alors, Oscar Muñoz, c'est vrai qu'il a un nom de chef militaire vénézuélien ou de champion de MotoGP, mais non, c'est lui, Oscar Muñoz, c'est le patron, le boss de United Airlines. Alors, c'est marrant parce que quand on voit cette photo, ça me fait penser à un autre patron de compagnie aérienne dont j'avais parlé, qui était Michael O'Leary, qui était lui. Et là, c'est marrant, ils ont tous une manie. Ils se prennent en photo comme des cons avec leur appareil. Pourquoi faire ça ? C'est-à-dire que si tout le monde faisait ça, j'imagine, par exemple, le patron de la Barclays, il ferait ça, par exemple. Alors, ça serait moins bien pris. Tout de suite, je pense que... Je ne parle même pas de Bernard Arnault, qui mettrait des sacs à main Gucci, mais évidemment, par respect, on ne va pas montrer sa photo. Mais ce n'est pas pour ça que je parle de lui. Hein. C'est parce que le patron de United Airlines, il a fait un truc génial, c'est que la compagnie va enfin mettre, je dis enfin parce que moi, je trouve ça super, des petites caméras, sans prévenir les usagers, des petites caméras, des webcams sur les écrans que tu as devant toi, là, quand tu es dans ton avion. Mais ils nous disent, rassurez-vous, en termes d'intimité, on est tranquille, elles ne sont pas activées. Bon, ça va, t'as une caméra à 10 cm de la tronche, mais elle n'est pas activée. Donc en fait, c'est comme si toi, t'es avec ta maîtresse, comme d'habitude, tous les mardis, chambre 402, j'ai mes infos, à l'hôtel, t'es là, tu vas attaquer une petite levrette de compète, et t'as un mec dans un coin avec une caméra qui dit, vas-y, t'inquiète, hein, elle n'est pas activée, t'as rien à craindre. Puis vas-y, prends du champagne, fais-toi plaisir. Pareil, tu vas dans les toilettes de l'aéroport, t'arrives, tu vas pour t'asseoir, puis t'as toujours une petite caméra qui est dans le fond de la cuvette, mais qui, elle, n'est pas activée. Donc bon, c'est bon, je vais baisser mon bénard, tranquillos, on est en toute tranquillité. En même temps, on devrait pas être surpris. Pourquoi ? Parce que être filmé, c'est rien du tout. Je rappelle qu'à New York, par exemple, Paris ou Londres, il y a des milliers de caméras qui font que tu es filmé en permanence, où que tu ailles, où tu pars de chez toi jusqu'à ton taf, t'es filmé tout le long, même dans le métro et même dans ta bagnole, faut pas rêver, puisque même dans les feux rouges, hein, il y a des caméras, ce qui fait que si tu le grilles, eh ben t'es grillé. Voilà, donc hop, c'est quand même pas mal. Hein. Donc on est tout le temps filmé, il y a même des caméras, tu peux te dire, bon, ça va encore. Non, il y a des caméras au niveau de tous les immeubles des grosses entreprises qui font qu'on sait à quelle heure t'es arrivé, à quelle heure t'es parti. Oula, et où est-ce que t'es allé. Alors tu dis, ouais, mais faut déjà qu'ils me reconnaissent, le mec, mais t'inquiète pas, il y a un logiciel de reconnaissance faciale dans les caméras, ce qui fait qu'on te reconnaît même de dos avec une casquette. Moi, je crois qu'il y que mon ex qui savait faire ça, bah non. Et encore mieux que ça, on peut même voir ton humeur. Il y a un logiciel qui permet de voir ton humeur. C'est-à-dire que si jamais t'arrives en faisant la gueule, tu vois, Bélilan Bernard, qui est arrivé ce matin, prenant votre café là en face, vous faisiez un peu la tronche. Hein. Attention, faut pas nous planter la campagne sur les télécoms. Hein. Ou je vais peut-être vous changer, vous, j'ai besoin de vous motiver. Ça fait pas du tout peur. Là, moi, je me dis, en même temps, être filmé, c'est cool, parce que je te rappelle qu'aujourd'hui, en moyenne, une caissière à monop ou un expert comptable est plus filmé qu'Elisabeth Taylor à sa grande époque. Et donc ça, c'est pas mal. On est un peu tous des Kardashians. Sans le savoir, donc c'est quand même pas mal. Et moi, j'ai dit qu'un gars qui, juste le temps d'un Paris-Atlanta, est prêt à faire de toi une star, eh ben c'est un bon camarade. Yeah. Et voilà. C'est beau, hein. Enfin, ça fait peur. À quoi sert d'équiper les sièges d'avion de caméra si c'est pas pour les activer. Mais c'est pas ce qu'on va trouver. Pourquoi tu t'inquiètes?